Sudel adorait la mer. Je me souviens, une semaine avant sa mort, il a fait un cauchemar. Son bateau chavirait, il y a eu des vagues qui le transportaient. Il a été secoué à droite, à gauche, qu'il était... Enfin, vraiment, il a vu sa mort, en fait. Il avait rêvé sa mort. Il avait raconté ça à tout le monde le samedi d'avant. Aujourd'hui, je n'ai pas fait mon deuil de la mort de Sudel. Je ne sais pas si on peut faire le deuil de quelqu'un. Sudel, je le vois. Je le vois, je l'entends. Je le vois quand il essaie de rejoindre cette île qu'il aimait à la nage et qu'il se demande pourquoi, qu'est-ce qui lui arrive et pourquoi il est là. Et cette image me hante et je n'arrive pas à l'enlever de ma tête. Je voulais le faire revivre à travers la pierre. J'ai peur aussi d'oublier son visage, parce qu'on oublie les visages. Papa était très passionné de pêche. Il avait une grande attirance pour l'océan, pour la mer. Son plaisir, c'était de pouvoir se retrouver en mer pour oublier tous les soucis de la vie quotidienne. Il se disait toujours que si un jour il devait partir, s'il devait quitter ce monde un jour, ce serait en mer. Quelque part, c'était comme si j'avais un pressentiment. Et je savais qu'il partait à la pêche. Il était content parce qu'il y avait longtemps qu'il n'avait pas utilisé son bateau. Et il y avait quelqu'un qui était là, qui lui a dit « Mais Sudel, il ne faudrait pas partir à la pêche là parce que le temps n'est pas très bon. » Donc, il disait ça. Et moi, j'étais inquiète. Cette sensation, du coup, tu sautes, mais... Tant que t'es pas dans l'eau, tu sais pas ce qui t'attend en fait. La sensation, moi tout de suite, cette sensation de tomber dans le néant en fait. Je tombe dans l'eau, mais un truc m'est tellement vaste que j'ai l'impression d'être tout petit et d'être dans un truc immense d'eau, quoi. J'ai une image d'une main de Sudel qui est partie en nageant et Jackie à côté. Et moi, pareil, du coup, on part. Mais après, personne ne se voit plus, personne... Et donc, du coup, on se retrouve tout seul.